Michel Barnier était à Lyon aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture est venu inaugurer un nouveau centre de formation au sein de l'école vétérinaire de Marcy-l'Étoile. Cet institut est une première mondiale. Il vise à former les vétérinaires publics français et étrangers dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et des grandes maladies animales comme l'ESB, la rage ou la grippe aviaire. On écoute le directeur de l'école ainsi que Michel Barnier qui s'est exprimé, lui, sur les élections européenne de juin. Il souhaite en effet conduire la liste UMP dans le Sud-Est et quitter le gouvernement le cas échéant. Écoutez. Les conditions ici sont optimales. Le bâtiment est tout à fait moderne, avec du matériel pédagogique audiovisuel en particulier tout à fait performant et des salles qui nous permettent d'accueillir des étudiants en formation longue ou en formation de courte durée en plus grand nombre et qui nous permettront d'avoir un rayonnement international plus important. En juin 2009, il y a une élection très importante pour tout le monde, qui est le renouvellement du Parlement européen, qui est un Parlement très important, et à un moment où l'Europe n'est pas une opportunité, n'est pas une option, c'est une nécessité. Donc oui, je vais être disponible pour cette élection. Je l'ai toujours dit depuis plusieurs années, le moment viendra de désigner la tête de liste de cette liste pour le Grand Sud-Est, Rhône-Alpes-PACA Corse, et je suis disponible. Le moment viendra de désigner les autres candidats, le moment viendra de cette campagne, mais ce moment n'est pas venu.